Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va adopter des chats. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode où il y aura probablement un peu plus de PVP. Pourquoi tu me regardes comme ça, toi? Ok, on va avoir un peu plus de PVP. Bon, trêve de plaisanterie, on va tout de suite passer à l'épisode pour de vrai. Aujourd'hui, je vous propose du PVP un peu comme ce que vous avez à l'écran, sauf que là, c'est juste une phase finale et on va voir un peu plus en longueur. J'espère que l'épisode un peu plus long vous plaira, ce sera pas juste du bourrine-bourrine comme là. J'espère que vous apprécierez. Il va peut-être Ah, il m'a essayer tué d'en quand faire. même. Mais comment il pourrait rentrer là? Oula! Va par les trous. Je te dis, c'est moins dérangé. Oula, avant, j'ai pas pu faire les résistances. J'en ai une, tiens. Il n'a pas mis le prix là. Alors, mec! Alors là, je te raconte pas ma situation, tu sais. Je tire une flèche toutes les 3 secondes. Aïe. Et je tue une heure! Ok, j'ai des gros problèmes. Il me tue. Je gagne un combat 2v1 alors. Comment tu gagnes? Tirer à l'arc sinon. Ah, il y a Ange aussi. Ah, c'est du 3v2 par contre. S'ils arrivent à passer à 2, en fait, ils risquent de nous tuer. Ils ne peuvent pas passer. Si? Ah, d'accord. T'as pas de pioche? Ou c'est lui qui casse? Non, je casse pas, moi, je casse pas. C'est lui qui casse le bloc? Je bug. Ouais, mais il s'était peu dessus. Ok, je l'ai vu sur la map. Oui, le tue, je te tue. J'ai mis un petit combo. J'ai mis à moitié de vie rien qu'avec des flèches. J'ai mis une full balle à Ange. Non, deux fois. Mais je suis con. Ouais, touché. Oh, je l'ai mis. J'ai mis le coup. Oh. Il est hyper lourd. Il prend mal, hein. Mais je sens mal, trop bien. Ouais, on a intérêt à se barrer. Je fais la vidéo. Non, 3v2. Eni, il attend vraiment en mode fourbe. 1v2. MDR. Mais c'est you comme. Non. C'est eux qui t'ont 3v1, on est d'accord? Enfin, non, pas. Ah non, il y a juste Ange Stoke à 3v1. Contre toi. Ouais, mais bref, attends. Ah, j'en vois. Je crois qu'il nous. Il essaie où? Milieu? Dehors. Eni. Il a l'air AFK. Ah, il est plus AFK. Eni est 15 sur. Aïe. C'est plutôt elle qui m'a touché, je crois. Yves. Putain. C'est
Toucher. Retoucher. Ah, c'est mal. Ah, elle m'a daze. Ouais, c'est une chance sur deux, je crois, à ce niveau-là. Non, LC, M. Ah non, il est pas tout à fait niveau 1000, mais il doit avoir genre 40% de chance que ça arrive. Là, je peux fermer. Mais mon cortage. Oui, mais non, mais 40% de chance, c'est 40% de chance, hein. 100% sauf que le pack de gun, c'est 100%, c'est ça. GG, tu l'as fait mal. Touché. Mais pourquoi je fuis d'un coup, là? Bon, au moins, je pense qu'il est sûr qu'on n'a pas une botte, mais je comprends. Touché. 7 cœurs, 7 cœurs. En fait, Eni, c'est la seule personne, même si elle est low, j'irai pas la rush. La hache, vraiment, elle nous défonce. Oh, mais il y a combien de Z dans une... Eni, il est à 10 blocs de nous, j'ai pu envoyer une requête de trade. Attends, en chaud, 6, 7, 8, non. 6, 7, putain, c'est 1, 2, 3. Yurto, faire Hawaii. T'es trop loin alors. C'est parfait. Bon, Eni, bizarrement, je peux. En chaud, je peux. Mining 840. Attends, je peux. Prends des captures d'écran après, tu m'enverras. 232. Archerie 191. Oh, je les daze. Oh, shit. Faut bien que ça arrive un peu aussi. Potion de poison, me voici. Potion de poison, je l'ai sur moi. Touché. Mais moi aussi. J'ai bouché, hein, vu que t'as l'air de prendre des dégâts. Je sais pas si t'as combien de dégâts, si t'as les dégâts de Ancho. Il a pris 0. Et je l'ai touché à l'arc et il avait toujours pas de vie. Donc peut-être qu'il s'est claqué une popo de je sais plus quoi. Ils connaissent ta technique de tirer à travers les murs. Technique de cheater là. Elle m'a encore daze. Oh non! Les mecs. C'est normal qu'il me trie. Fucking arabe. Oui, je suis pas arabe, putain. Just by some note. Oh. Il va rager encore plus. Je viens de tirer, je le voyais pas, et à ce moment-là, il a apparu. J'ai supposé qu'il était au-dessus de la sortie et je l'ai touché. Rien de charable. En fait, ils connaissent pas nos mots. Ils croient qu'ils connaissent pas les autres mots. Ils connaissent arabe et gay, c'est tout. D'ailleurs, en quoi c'est une insulte? C'est pas une insulte. Mais pour eux, si c'est une insulte, je crois. Non, je pense qu'ils sont juste très cons. Merci Aurore pour cette magnifique conclusion. On va s'arrêter là pour le PVP. Si jamais vous en souhaitez plus, je vous mettrai la suite de l'enregistrement dans la vidéo de fin. Mais je trouve que c'est assez répétitif. Si jamais c'est très marrant en jeu, c'est peut-être pas très marrant en vidéo pour vous. J'ai pas envie de vous lasser. Donc un petit intermède sur une machine à potions qui a été construite dans la base Claim. C'est plus tout à fait d'actualité, mais c'est un moment qui m'a bien plu. J'ai apprécié les conseils décoratifs. Je trouve qu'elle rendait vachement bien pour une petite machine à potions. Donc, je vous laisse admirer ça. J'ai avancé sur un sujet qu'on devait absolument refaire, la machine à potions. On en a refait une miniature, donc elle fait un demi-double coffre, donc un coffre simple. C'est déjà franchement bien. L'avantage, c'est qu'elle est super compacte et que dans un coin où on faisait rien, elle tient quasiment dans les trois blocs contre le mur. Elle bloque pas le coffre du four et tout. Elle tient et elle est fonctionnelle et j'ai effectué une toute petite modification. C'est les entonnoirs qui étaient ici, on peut les alimenter uniquement avec ça et pas juste avec une ligne de torche et dessus ça. Voilà, petite tips pour améliorer votre machine à potions. Si vous voulez la faire plus compacte en fait, ça marche très bien l'autre truc aussi. Ça coûte juste un peu plus de torches de redstone. Et MacFox a eu la chouette idée de mettre des blocs de briques du Nether rouge qui sont en effet supra stylés, je trouve, avec le reste de la machine, les tapis rouges. Bon, les tapis rouges font un peu décoloré par rapport à ça, ils font un peu vif alors que ça se fait foncer. Mais franchement, la salle du bas, elle est vraiment stylée. Mettre les tapis rouges, c'était une idée géniale. Merci à MacFox, me semble-t-il, de l'avoir eu.
Il nous reste plus qu'à mettre un coffre d'ingrédients à potions et des potions et ce sera bon.